Oh là, mon grand, te voyais pas passer la journée à pimer que les petites bêtes te volent biourignées. Non, 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 Kovei Moko. C'est après piter un collègue. Ouais, d'un tâté le temps. Ah, me pense, me. Qui penquero ve le caboulot que te voyais dit. Non, pas, non. Non, te dis que t'as une affaire sérieuse à vivre tout doux. Non, pas de bon père, beaucoup. T'es bonjour, Parpaillou. Couveille? Couveille, ben, bonjour, Roselyne. Ouais, dis-je donc, le pierre au lipatch, hein? Pierre, qui le Parpaillou? Hé, hey, Pierre, collez-y, tout est print, tu peux y venir. Ouais, il pense, moi-même, oui. À bientôt, ma chérie. Tu vois, Divir, couille de bon, t'en fais au pain. Oh, couille pas sommer les chabots, oui. Ente dans au vé bouté lupé. Bonjour. T'as vu, hey, pensate. Hey, il fait ce bain. Mais de Dieu, mais cul pour rapper de gros, hein? Ah ouais, sûr. Eh ben mon arme. Y a pas grand monde des mochis sains par Uba, Pierre. Oui, oui, t'as bien raison, hein. Pas grand monde. Tenir la même qu'un héros jaune, eh ben déjà donc, mais pas de rien. Eh bonjour, Traitou. Eh ben bonjour, on te voit des... Qu'on fera une belle journée de prendre la chasse au Parpaillou. Ouais. Eh ben, les voies, hein. Au revoir. Au revoir. Ouais. À moi y vire. À moi y vire. Ménage à votre. Ouais, bonne journée. Hein. Dieu, Pimotcheu, Pierre. Eh, fais la vire, loup l'ornion. Ah ouais, prends bien, coup gentil drôle. Eh, les wedins. Ouais, wedin ben lui assaisonné. Viens, on prend un GPS. Non, non, non. On a dit qu'on randonnait comme nos grands-parents, donc il y a hors de question que tu prennes le GPS.
dire qu'elle marche. Je suis sûr que ça fait deux fois qu'on est passé par ici. Tu crois? Je reconnais les carrefours quand même. Ouais, si tu le dis. Ça aurait été plus simple avec un GPS. Oui, fais fonctionner ton cerveau. N'essaye pas là, hein. Allez. T'es chaud le jambes. Faut qu'on rentre avant la nuit. Ouais. Un café? Un carreau de chocolat? Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas d'argent? J'ai juste ma carte bleue? Rassurez-vous, on va pas vous faire de mal. Vous risquez rien. On est des braves gars. Et on a juste besoin de vous pour un petit moment. Et après, ben, on vous ramène sur votre chemin. Et pas de blague, hein? Faut pas s'en sauver, d'accord? Drôle. Bah faut pas se gêner, hein. Ça vous prend souvent ici d'agresser les gens? Allez, ne vous inquiétez pas, on est doux comme des agneaux. On veut juste régler un petit problème. Passez-moi plutôt votre portable, s'il vous plaît. Mais c'est ça, vous avez peut-être pas de téléphone non plus, hein. Eh ben c'est comme que tu le dis. Allô, la gendarmerie? Nous avons kidnappé deux touristes. Quoi? Tapez quoi? Tapez étoile. Oui, oui, c'est un peu difficile de vous avoir. Hein? Oui. C'est pourquoi? Nous avons kidnappé deux touristes. Eh non, c'est pas une plaisanterie. Allô? Allô? Et on raccrocha. Oh, chiot! Oh, sans bien jetonner, que peux-tu tout? Qui bonhomme misère de Vircou, d'un rubé jusqu'au tcheux. Et moi, pour commencer, je vous ai apporté un bon repas de chou, de truffes et de jambillou. Mais on est végétarien, madame. Oh, les pauvres, ils sont hippies, maudit-elle. Ils sont tout pas les choux. Ils teignent notre mine de papier mâché. Mais, faut pas mouiller que de solade. Allô? Vous pouvez me passer le préfet, s'il vous plaît? Il est en déplacement. Loyo Paria. C'est pourquoi? Eh bien, c'est très simple, chère madame. Nous avons kidnappé un couple de touristes. Ah, il faut rappeler plus tard. À nous un dautin ou un golet et un morcet. Allez, venez manger avec nous. Vous prendrez bien un petit cadeau? Non, merci, nous ne buvons pas d'alcool. Eh ben, vous allez bien manger avec nous quand même. Sans façon, nous sommes végétariens. Eh ben, manque à vos macos. De ce que vous dites, vous voulez à manger, Oro? On a un reste de notre pique-nique de midi. Ça nous suffira bien. Vous avez bien tort de ne pas goûter à nos spécialités. Ça fait partie de nos traditions, de notre patrimoine. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre le pays. Regardez, les monts du Forez, ils sont pleins de charme. Et la soupe de chou,
Eh bien, elle devrait être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La préfecture, Enker. Ah bon? Et ça relève pas de vos compétences. Et à qui faut-il s'adresser? Au ministère de l'Intérieur? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup, madame. Eh bien, Dieu, à Bocco Corso, Cos Entram, oh, hein. Bon, eh bien, faut voir chez le ministère de l'Intérieur, oh. Anne don, oui, jamais, faut me se regarnir et bouter un petit peu de feu de la botte. N'est-ce une autre rapouteur? Ah merde! Je passe, tout ça vibre! Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, il est bon, hein. Peut-être pas tout couper, c'est pas ça. Oui. Bientôt d'accord. En attendant, je vais vous parler tancipo-patois. Je vais vous parler tancipo-le-patois. Me soune par paillou. Je m'appelle Papillon. Et toi, moi, oui, tu te souviens? Me soune Enzo. Très bien. Et toi, jeune fille, moi, oui, tu te souviens? Enzo, j'ai rien compris. Mais qu'est-ce qu'il dit? Demande comment tu t'appelles. Oui, tu te souviens? Je me soune Emma, comme Emma sœur. Mais tu te rigolotes, toi, hein? Et un tote d'amour. Me, d'amour, vichy to gato. D'amour et d'eau fraîche? Un tote d'amour, ça veut dire où que c'est que tu habites? Ah, des mourines bélion. Bon, voilà, il soyez aura de compter un bim. 20, 12, 3, 4, 5, 6, 8. 20, 2, 3, 4, et auprès? 4, 5, 6, 7. Bon, couche. Qui, notre là. De pot. Une coutée. L'assiette. La marte. Non, la marmite. La tôle. Le côté, la Marta, Quina Marmito. Mon Dieu, ça sera prêt tout mi-cassé, cubo gris. Allô? Le ministère de l'Intérieur? Oui, c'est ça. Nous avons kidnappé un couple de touristes affamés et nous voulons de ce corolin, déjà. De pancartes et un patoué sobre la route. Et de patois ginaïcole. Et de bon patois, s'il vous plaît, hein? Pas juste de quel patois de Aurillac au bain de Montpellier. Mais de quel de Vécouteau. Oui, c'est ça. Du patois dans les écoles. Qui nous sommes, en fait? Eh bien, des patoisons du Forez. Hein? Si on est inscrit au répertoire des groupes indépendantistes, sur la liste des associations de malfaiteurs? Ah ben non, pas vraiment, non. Non, madame, c'est pas une plaisanterie. Vous voulez que je vous passe les otages? Allô? Oui, madame, nous avons été kidnappés par des personnes âgées. Oui, nous sommes retenus contre notre gré dans une grange. Oui, et en plus, on crève de faim. Ils veulent même nous faire manger de la viande. Quoi? Ça ne prouve rien. Non mais là, ça dépasse les bornes. Si je vous dis que... Comment on peut prouver? Eh bien, on peut faire des photos de nous avec des cagoules. Ou bien envoyer
Une oreille ou un doigt coupé des otages. Ah. Ah, il faut un signalement de disparition des proches. Oui, oui, on va réfléchir à tout ça. Pas d'un beillot vorti les journaux. Ah, ben, écoute, c'est une bonne trouvaille. C'est une bonne affaire, oui. En tout cas, il ne faut surtout, mais vraiment surtout pas, prévenir ma mère. Elle croit que je suis en vacances avec une amie. C'est pas malin de mentir. Emmène-toi, merci. Allô, la Gazette? Vous pouvez me passer le rédacteur en chef, s'il vous plaît? Enzo, oui, on vient de t'es pas dit dire, dire après me. Mon père achata in bio. Mon père achata in bio. In bio. Bio. Watch. Et te, Emma, essaye donc de dire à mes vémèges et mouija de fajol et de pastanade. Oui, oui, fastoche, vémeida, et mangea des flageolets et des pastanades. Enzo, tu vas dire après moi. Oui, l'or de nez mousre les vaches. Oui, l'or des mousre les chabres. L'or des mousère les chabres. J'y comprends rien, j'arrive pas, ça me prend la tête, votre patois. Dites, je goûterai bien une larme de votre pinard. T'es un bon canot. Qu'oveille te requinquer, te reviouquer. Et de ce que tu fais dans la vie. Je suis étudiant aux Beaux-Arts de Lyon. Et moi, je suis étudiante en psycho. Non, mais quand j'y pense, ça va encore durer longtemps, notre captivité. Te prends pas la tête, t'en fais pas. Tu es comme notre invité. Profite du pays. Tiens, goûte plutôt un petit bout de chabriou de notre pays. Bon, disons que, vu les circonstances, je peux me permettre un petit écart. Moyen jeune, un petit morceau de peau. De peau de seuil. C'est pas mauvais. Pas mauvais? Dieu m'a... Oui, frambon. Frambon, surade. Ah, t'as l'air doué pour les langues. Bon, vous te chanter nos petites chansons. La Marion sous son poumeil. Que ce bras sous la main. La Marion sous son pommeil, que se branle sous lave, que se branle sous lave de seille, que se branle sous lave de lait, que se branle sous lave. Ah ouais, mais ça je connais, c'est la Marion. Un bossu vient à passer, qui la regardait, un bossu vient à passer, qui la regardait, qui la regardait par-ci, qui la regardait par-là, qui la regardait. Aime te conter notre petite blague. Ainsi divait qu'une poule que sort de poulailler et que se dit « Ouh, fait un frit de canard des machis ». Et le canard que passe à mon côté, que lui répondit. Eh ben, sur à ma poulette, teigne la chair de poule. T'as compris, bougre de badobet des oignons. Allô, oui? Ah oui, la Gazette. Ah ben, c'est sympa de rappeler. Oui, c'est ça. De grandes plancartes impatouées sur la route. Et de patois de chez la école. Oui, et de bon, hein? Pas que d'Aurillac, de Giz. Bon, ben, prends bien. À moi, Vire. Couléi, on envoie un gazetail dans la Gazette de Montmachi. Ah, ben, prends bien. Ouais. Ah, ben, faut bien y arroser, couche. Hein? Ouais, ben, c'est passé, hein? Dorez la cornole, tu. On est bien content pour vous et pour nous aussi. Ouais, mais ça va mettre encore un moment avant que tout le monde se mette en branle. J'espère qu'ils vont pas nous envoyer le GIGN. Ouais, mais
la liberté, c'est pas de passer un bon moment entre nous, entre amis ici, tous ensemble. Voulais-tu notre morceau de saucissou, de jambillou? Je veux bien. Tiens, Emma, goûte aussi. Je reprendrai bien du chèvre, du chabriou. Ah, ben, vous faites plagier, écoute, t'es un petit morceau de saucisse, de chabriou. Un petit canot de rouge. Ma foi, c'est du jus de raisin qui va mal tourner. Ah, sur un... de vie de rosier comme Malouira. Cuma de vie à faire danser la chabre. Hé, hey, c'est quoi ça? Hé, hey, les jeunes, pas d'histoire, hein? Hé, hey, motus et bouche cousue, hein? Sinon, quick! Eh, bon site, es-tu? Eh, ben, bon site, aussi. Eh, pas sympa, tu vois, vous êtes le fion. Chinchi guette le chou et mes jambillons. Alors, me pincette, mon co. Dieu, moi, il y a un restaurant clandestin qui s'est monté pour un tueur. Bah, non, pauvre Barneau, Michaud. Non, on fête juste un anniversaire. Ah, oui, moi. Quoi, oui, qui du drôle, il pour un tueur. Eh ben, c'est mes neveux. Quico, t'es nebout. T'es petit nebout de Marseille, bio. C'est tout à fait ça. Et tu as vu juste toi, hein? Je pense que tu aurais dû être détective. Oui, qui sera? Alors, mon co, vous êtes les neveux du Pierre. Ils m'ont jamais parlé de vous autres. C'est pas un peu bizarre, ça? Et de moi, une jeune fille, moi, te. Je t'en ai pas parlé parce que c'est un peu particulier. Ils sont... Ben écoute, ils sont tous les deux muets, les pauvres. Au bout de gens. Bonne dame, on va papilla. Au lieu de parler pour dire, veigne donc mouiger une morceau de gâté un binotri. Oui, ben, quand on t'est pour quatre, non t'es pour chien. En plus, j'adore la tarte aux pommes. Hein? Ouais, bougre de bougre, Dieu m'a. Hé, hey, t'es muet, il parle? Oh, miracle, miracle! Oh, bonne vierge! Encore un miracle dans notre pays. Magnifique. Ben, je vois qu'il y a l'ambiance ici. Où est Necker, mon marniolon, hein? On va peut-être en profiter pour filer. Regarde, la porte n'est pas fermée à clé. Ah non, Emma, on est trop bien ici. Les gens sont gentils. Ils nous ont appris le patois. Et ils nous ont donné à manger. On a mangé comme des princes. Puis on sera bien dans la grange, sur le front. Aide-moi. Être pas la faena. T'as un jodon. Ah. Bonjour. Bonjour, bonjour, et bonjour, bonjour, et bonjour, bonjour, et bonjour, 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 pour filer. Ouais. Mmh.
Ah, c'était super cette soirée. Ouais, franchement, ça allait. Et tu sais quelle est la première chose que je demanderai à ma mère? Quoi? Eh ben, c'est qu'elle me fasse une bonne poteau au chou. T'as raison, tu m'inviteras. Hein. Ouais, t'inquiète. Si elle a réussi, bien évidemment. Dites, c'est bien de bonne heure pour randonner, non? Je cherche une grange isolée dans le coin. Vous n'auriez pas vu les voitures des pompiers, la gendarmerie, FR3 ou la radio? On m'a téléphoné hier, de jeunes touristes se sont fait enlever par ici. Excusez, Notri, mais comprenne re de ce que vous disiez, mon bravo garçon. Quicheo inkera pauna fake news. Allez, pour nous, quilor de nemus les chèvres et casser la croûte. Et de plus, faudrait peut-être bien parler patois avant de venir par ici. C'est clair. Ok, ça va, j'ai compris. T'as vu le journaliste? Ouais, on l'a bien vu, franchement. Au moins, là, on peut dire que ça, c'est des vacances. Ah ouais, ah, les copains se sont bien moqués de nous quand on leur a dit qu'on allait passer des vacances dans le monde du Forez. Ah, c'est clair. Et surtout qu'on n'aurait pas grand-chose à raconter. Je crois bien qu'on va vraiment les épater.